Voilà, nous sommes en direct. Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous, si jamais il y a des hommes qui sont là. Je suis Nathalie Guérold, experte en désencombrement et en épanouissement intérieur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrée de votre appartement, de votre logement. Et voir dans quelle mesure ça reflète qui vous êtes et dans quelle mesure c'est aligné avec qui vous voulez être et comment vous voulez mener votre vie. Voilà. Alors, les petits détails techniques comme d'habitude, dites-moi, voilà, confirmez-moi si le son et l'image sont bons pour vous. Et comme ça, je suis sûre que tous les réglages sont au point et qu'on peut vraiment commencer notre dialogue. Ouais, faut que j'attende encore quelques instants qu'il se passe quelque chose. Il y a toujours un petit décalage, hein, entre le moment où vous êtes là et le moment où je suis là. Voilà, ok, maintenant, je vois. Voilà, je vais encore partager. Ah, mais Edwige est là. Bonjour Edwige, ravie, tout est parfait. Ah, super, super. Super. Alors, c'est parti. Donc, si ça vous inspire, vous pouvez déjà me marquer dans les commentaires qu'est-ce que cette thématique vous inspire. Et puis, donc, moi, je suis venue avec quelques idées. Sur cette thématique. Et en fait, mon idée de départ, c'est que voilà, on arrive dans les week-ends de Pâques. Et Pâques, c'est l'occasion où d'habitude, on aurait éventuellement eu des invités pour faire des grandes fêtes de famille, pour manger ensemble. Pâques, c'est le printemps, c'est la saison de la fertilité, de l'abondance, de la nature. L'abondance de la nature, mais aussi l'abondance en général, notamment l'abondance de richesses, d'amour, de joie, de bonnes choses, d'épanouissement, l'abondance de santé et d'énergie. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a fait penser à l'entrée de l'appartement avec la question, qu'est-ce qui entre dans votre vie? Et dans quelle mesure et comment? Comment ça se passe? Donc, la première chose, premier point que je vous invite à regarder, c'est l'entrée physique extérieure de votre logement. Alors, votre logement lui-même, vous allez me dire, il est comme il est, j'ai pas beaucoup d'influence. Oui, il y a une partie où vous n'avez pas beaucoup d'influence et puis une partie où vous avez aussi de l'influence. Donc, bon, effectivement, si votre logement, l'entrée extérieure, être un petit peu caché. Est-ce que les gens ont la place de garer leur voiture? Est-ce que les gens ont la place de poser leurs chaussures, de poser un... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est décoré? Est-ce que c'est moche? Est-ce qu'il y a des plantes, si c'est une maison à l'extérieur, qui grimpent, qui obstruent? Ou est-ce qu'il y a des plantes qui décorent, qui posent, qui donnent un cadre à la porte, au chemin d'entrée? Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que... vous apprenez soin de l'extérieur ou est-ce que au contraire, en fait, vous êtes tellement submergé dans votre vie que c'est un petit peu laissé à l'abandon? Est-ce qu'il y a la place, c'est une entrée large où les gens peuvent arriver en groupe ou c'est une petite entrée exiguë de l'extérieur avec un petit chemin qu'il faut suivre un peu comme un labyrinthe? Est-ce que votre entrée est protégée des intempéries? Avec un petit toit, avec un petit sas, avec quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, il y a vent et marée, pluie, et tout ce qui est possible qui arrive, qui est là, lorsque des gens veulent entrer dans votre logement. Voilà. Alors, c'est le premier point que je vous invite à voir. Et comme d'habitude, comme par hasard, je pense qu'il y a un grand parallèle entre l'entrée physique de notre maison et comment est-ce que vous vous présentez à l'extérieur par rapport aux gens qui ne vous connaissent pas? L'entrée émotionnelle,
l'entrée psychique de votre personne par rapport aux gens que vous connaissez, qui ne vous connaissent pas. Comment ça se passe ça? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très fermé? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très avenant? Est-ce que vous, voilà, vous êtes plutôt le visage fermé pour les gens que vous ne connaissez pas, ou est-ce que vous êtes toujours ouverte et souriante? Ce que je vous invite, c'est de regarder aussi bien l'entrée physique de votre logement que l'entrée émotionnelle de votre personne. Est-ce que il n'y a pas forcément de jugement là-dedans? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais le plus important pour moi, c'est déjà de prendre conscience de la réalité et puis de voir est-ce qu'il y a vraiment un gap, est-ce qu'il y a une grande différence entre la réalité relativement objective et ce que vous voudriez que ce soit. Comment vous voudriez que l'entrée de votre appartement soit, comment vous voulez que les gens qui viennent de l'extérieur trouvent l'entrée de votre logement, comment vous voulez qu'ils s'y sentent, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est accueillant, est-ce qu'ils ont envie de frapper à la porte, et de la même façon, comment est-ce que vous avez envie que les, est-ce que vous avez envie que les gens vous abordent, est-ce que vous avez envie, quelle envie vous avez de donner, quelle impression vous voulez donner de vous de l'extérieur. Voilà, c'était le premier point. Je vais vous lire les commentaires. Donc, nous avons notre chère Edwige qui est toujours très, très active. L'accueil est important et l'entrée sera aussi le seuil que nous pourrons plus tard franchir. Oui. il y a beaucoup de choses à dire sur l'entrée. Je suis venue avec quelques idées. Mais effectivement, on peut également dire que l'entrée, c'est un lieu de transition, de passage entre l'extérieur et l'intérieur, entre une personne inconnue et l'intimité, l'intimité physique et puis l'intimité ici aussi. Exactement. Alors, voilà, par rapport à... Donc, ce premier point, c'était l'entrée extérieure de votre logement. Et puis, la deuxième chose à laquelle je voudrais vous inviter à réfléchir, à prendre conscience, comment est le côté intérieur? Une fois qu'on a fait cette transition de passer le seuil de la porte, donc vous ouvrez la porte et les gens rentrent chez vous, comment c'est physiquement? Comment mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui rentre la première fois? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Est-ce qu'on a la place de bouger à 2, 3, 4, 5? Ou est-ce qu'on est tout de suite un petit peu exigu? Est-ce que les gens qui arrivent ont un endroit pour poser leur manteau, leurs chaussures, leurs sacs? Ou est-ce que au contraire, non, voilà, faut tout garder avec soi et rentrer jusqu'au salon? Ou je ne sais pas. Est-ce que cette entrée, vous en prenez soin de façon consciente? Vous décorez. Donc, vous verrez qu'aujourd'hui, j'ai mis ma petite fleur juste ici pour faire l'entrée. Parce que c'est le printemps, que c'est Pâques et aussi que j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue et d'accueillir l'abondance. Donc, est-ce que vous prenez soin de votre entrée? Est-ce qu'elle est décorée en toute conscience? Est-ce que c'est des décorations actuelles? Est-ce que c'est les mêmes décorations depuis 20 ans? Est-ce que c'est les décorations de Noël qui sont encore là à Pâques? Tout est possible, comme je dis, il n'y a pas de jugement, mais voilà, ce que je vous invite, c'est vraiment d'en prendre conscience, ce qui se passe dans l'entrée quand les gens rentrent chez vous. Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est lumineux? Voilà, est-ce qu'il y a la place pour s'embrasser? Ou est-ce qu'au contraire, faut rentrer, les gens peuvent rentrer seulement au compte-gouttes? Je pense que tout ça peut être une métaphore et ça peut représenter assez fidèlement la façon dont comment vous accueillez des gens dans votre vie. Est-ce que vous êtes joyeuse d'avoir plein de gens qui rentrent dans votre vie, ou est-ce que vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous réchauffer, etc. Est-ce que, oui, vous aimez beaucoup et souvent avoir des gens, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, ou est-ce que vous avez plus de joie à revoir toujours les mêmes personnes, ceux que vous aimez, que vous connaissez bien, à les faire re-rentrer dans votre vie, que ce soit ces gens-là que vous côtoyez tout le temps. Comment vous laissez rentrer les choses? Donc, ça peut être des personnes, mais comment vous laissez rentrer l'abondance,
les belles choses de la vie dans votre intérieur? Est-ce que vous êtes ouverte à ça? Ou est-ce que, voilà, peut-être que c'est plus difficile, que le canal est étroit, que ça rentre qu'au compte-gouttes, que vous cherchez l'amour, vous cherchez la richesse, vous cherchez la joie, mais ça ne veut pas rentrer. Peut-être que là, il y a quelque chose à voir, d'être plus ouverte. Essayez de sentir ce que ça vous fait, ce parallèle entre l'entrée, voilà, comment les gens qui rentrent dans votre appartement sont accueillis. Est-ce que la joie, comment est-ce que vous accueillez la joie dans votre vie? Comment est-ce que vous accueillez l'amour? Comment est-ce que vous accueillez la richesse? Comment est-ce que vous accueillez la convivialité dans votre vie? Comment est-ce que vous accueillez la santé dans votre vie? Est-ce que vous accueillez avec un peu de crispation, avec retenue? Est-ce que vous accueillez avec relaxation? Voilà, il y a beaucoup, voilà, il y a des, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller explorer lorsqu'on regarde l'entrée, donc l'entrée extérieure et ensuite l'entrée intérieure. Comment on accueille les choses? Alors, je vois qu'il y a encore des commentaires. Edwige, ma chère Edwige, je suis ravie de pouvoir dialoguer avec toi ce matin. Mon entrée est sobre, avec une porte très proche et la sortie d'ascenseur. Il n'y a pas de place pour décorer hormis la porte. Voilà, donc c'est vrai que des fois, on a des contraintes physiques et matérielles. Après, on peut toujours revenir à la question, qu'est-ce qui a fait que je me suis décidée pour cet appartement et pas un autre? Qu'est-ce qui a fait que... Voilà, il y a plein de critères, mais donc on accepte certaines choses ou on n'accepte pas certaines choses. Et donc là, tu, pour différentes raisons, et peut-être il y a plein d'autres raisons qui font que tu t'es décidé pour cet appartement, il n'y a presque pas de place entre l'ascenseur et l'entrée. Donc je suppose pot de fleurs ou autre, il n'y a pas de place. Chez là où j'habite, mon vrai logement, il y a un escalier qui est juste à côté. Donc, moi, il y a un palier, mais c'est vrai qu'il faut toujours faire un petit peu attention entre l'escalier qui descend, de ne pas tomber, et puis le palier qui est en longueur devant la porte. Il y a toujours la possibilité, effectivement, de décorer de la porte. Donc, on a toujours un petit peu une marge de manœuvre aussi par rapport à la propreté, décoration. Avec un peu de créativité, on peut quand même faire des choses, même par rapport à des conditions physiques un petit peu restreinte. Il y a un meuble dressing. Ah oui, donc du côté intérieur, il y a un meuble dressing pour recevoir et déposer l'extérieur. C'est un couloir étroit. Rares sont les visiteurs. Voilà, l'accueil. J'accueille avec grande joie au compte-gouttes. Ça me va parfaitement. J'ai un panorama exceptionnel. Et ben voilà, très bien. Tant mieux. Voilà. Alors après, il n'y a pas de jugement. Il n'est pas dit de dire, ah, il faut avoir une entrée gigantesque et que tout le monde rentre comme vents et marées, comme au supermarché. Non, ça peut être un choix conscient ou, je dirais, pour la plupart des gens, c'est à 99% un choix inconscient, mais qui souvent représente beaucoup ce qui se passe dans notre vie émotionnelle, dans notre vie intérieure aussi. Voilà, j'ai une dernière idée à vous soumettre, mais avant ça, je voulais vous dire que si vous êtes intéressé par cette thématique ou par d'autres thématiques autour du désencombrement et de l'épanouissement intérieur, je propose des sessions découvertes gratuites où on peut discuter ensemble pendant 30 minutes pour faire un peu mieux connaissance, pour que vous me parliez de votre problématique spécifique et puis que je puisse vous dire si je peux vous aider ou pas et dans quelle mesure. Voilà, je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo, là où vous pouvez aller pour prendre rendez-vous gratuitement sur une session découverte. Alors, sur la thématique de l'entrée, on a vu l'entrée extérieure, le côté extérieur de votre logement. On a vu le côté intérieur de votre entrée. Donc, comment tout ça rentre? Et maintenant, la troisième idée que je voudrais vous soumettre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui sort? Parce que cette entrée, c'est également une sortie. Donc, il y a peut-être des gens qui rentrent et des objets qui rentrent. On n'a pas parlé vraiment des objets, mais il peut y avoir aussi un parallèle. Et qu'est-ce qui sort? Qui sont les gens qui sortent de votre vie? Quels sont les objets qui sortent de votre vie? Est-ce que le flux entre ce qui rentre et ce qui sort est équilibré? Est-ce qu'au contraire, il y a beaucoup qui rentre et très peu qui sort?
ou beaucoup, ou très peu qui rentre et beaucoup qui sort, si vous êtes peut-être dans une phase de contraction, de décroissance dans votre vie, est-ce que c'est volontaire que le flux soit déséquilibré dans ce sens? Parce que vous vous sentez que vous avez à rééquilibrer des choses, peut-être soit dans le flux entrant, qu'il y ait plus de choses qui viennent vers vous, soit dans le flux sortant, qu'il y ait plus de choses qui sortent, peut-être parce que justement c'est des choses qui ne sont plus actuelles pour vous, des personnes ou des objets, ou peut-être des idées, des émotions que vous sentez sont plus alignées avec vous et dont vous voulez vous débarrasser, que vous voulez faire sortir de votre vie. Voilà. Donc je vous invite à prendre conscience entre comment les choses rentrent, est-ce qu'elles sont bienvenues, comment elles sont accueillies, est-ce qu'elles sont souhaitées ou pas, et comment les choses sortent. Là aussi, est-ce que c'est souhaité ou pas? Est-ce que c'est conscient? Et puis, voilà, si vous observez qu'il y a une grande différence entre ce que vous souhaitez et comment est la réalité, eh bien, quelles actions vous pourriez poser pour être plus aligné, plus intègre, plus authentique avec qui vous êtes, qui vous voulez être le meilleur de vous-même, mais comment vous voulez mener votre vie? Voilà, je vais voir si j'ai encore des petits commentaires. Voilà, Edwige avec son panorama exceptionnel. Voilà, c'est peut-être ça aussi que on peut avoir envie d'être une personne qui est peut-être plus, comme on dit, qui gagne à être connue et qui, laisse rentrer quelqu'un dans sa vie et dans sa vie émotionnelle aussi, peut présenter à ce moment-là tous ses trésors intérieurs, mais qui n'a pas forcément envie de présenter ça au monde entier. C'est tout à fait, si vous sentez que c'est juste pour vous, parfait. Tout ce que je vous invite, c'est à en prendre conscience. Voilà. Donc, ben, je vois que pour l'instant, il n'y a plus de commentaires. Donc, je suppose qu'on a fait un peu le tour de la question. Ouais, je vois pas. Je crois que Facebook, ils ont changé un peu leur algorithme. Je vois plus le nom qui s'affiche. Avant, je voyais le nom des personnes qui regardaient, qui s'affichaient. Et donc maintenant, je ne le vois plus. Donc, je ne vous vois que si vous laissez des commentaires. Donc, c'est pour ça que je vous invite vivement et chaleureusement à laisser des commentaires pour qu'on puisse dialoguer, que je puisse guider la discussion dans la direction qui vous intéresse le plus, qui peut vous apporter le plus. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Hein. Je vous rappelle que ces dialogues des encombres pour toi-même ont lieu tous les mercredis et tous les vendredis à 8 h ici sur la page Facebook du groupe des encombres pour toi-même. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 8 h, je me réjouis. Et d'ici là, je vous souhaite de magnifiques fleurs, fêtes de Pâques. Voilà. Avec le printemps, l'abondance, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Et je vous souhaite une magnifique entrée physique, mentale et émotionnelle. Une magnifique sortie de tout ce qui a besoin de sortir. Et le meilleur dans votre vie. À très bientôt. Tchuss!